Apparemment, Laurie, elle est partie à cause de toi, à cause Non. d'une violente dispute. Non. La dispute, c'était 3 jours avant et elle est restée après la dispute, Laurie. Donc non, elle n'est pas partie à cause de la dispute. Laurie, elle est partie parce qu'elle se prenait pour la star du programme. Elle a tout fait pour que je parte et elle a donné un ultimatum à la production en disant c'est soit Mélodie, soit moi. Et à la production, ils ont dit, bah, écoute, Mélodie, elle ne pose pas d'ultimatum, donc ça va être toi qui vas partir, ma cocotte. Mais qu'est-ce qu'elle avançait, Laurie, comme argument auprès de la production pour pouvoir... En fait, elle essayait de te faire virer. Elle essayait de me faire virer, elle essayait de me faire passer pour une méchante, qu'elle supportait pas vivre sous le même toit que moi alors que je la calcule pas, en fait. Cette fille-là, si elle m'attaque pas, moi, je la calcule pas. Et donc, du coup, elle était en train de mettre ça en avant, sauf qu'on est plus d'une trentaine en vrai sous le même toit, avec, entre toute l'équipe, etc. Ils ont bien vu son manège, et donc, du coup, ben voilà, Laurie. Tu n'arriveras pas à me faire passer pour une méchante et tu n'as pas réussi à me faire virer non plus, quoi, au final. T'étais contente quand elle est partie? Moi, quand elle est partie, j'étais contente, mais au début, on m'a dit qu'elle était partie d'elle-même parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et là, vraiment, je me suis dit, j'aurais préféré qu'elle parte lors d'une cérémonie ou autrement, pas d'elle-même. Et quand j'ai appris qu'elle s'était virée, là, j'étais plus contente, enfin plus contente parce que je me suis dit, en fait, elle n'est pas partie parce que je la mettais mal, elle n'est pas partie à cause de moi, elle est partie simplement parce que plus personne l'a supportée. Mais vraiment. Même l'ensemble de tes collègues la supportaient pas? Mais tout le monde ne la supportait pas, il n'y a que Alison qui supportait. Après, je pense Mika, Mehdi, ils s'entendent bien avec elle parce qu'ils ne cherchent pas plus loin, en fait, ils attendent rien en retour d'elle. C'est pour ça que. C'est pour ça qu'en fait, voilà, ils s'entendent bien avec elle. Parce que cette fille-là, il faut rien attendre. Si tu veux pas, si t'attends pas d'elle de la sincérité, de la loyauté, etc. Nous, les filles, on est un peu comme ça. On attend beaucoup de preuves, en amitié même. Mais voilà, on s'entendait bien avec elle parce que c'est une fille comme ça. Elle est rigolote, c'est tout. Et Elle avec se faisait Alison? tripoter. Elle s'est même fait toucher par Mika, tout ça. Hein. Ah oui. Mais Mais comment ça te faisait tripoter en fait, Laurie, moi, j'ai entendu des choses après quand elle est partie. On m'a raconté des trucs sur elle, mais j'étais scotchée. Ah bah Déjà, partage, partage. elle s'est tapée l'ex d'Alison à l'hôtel. À l'hôtel, en fait. Dorian? Voilà, Dorian, il était à l'hôtel avant d'entrer dans la villa. Elle s'est retrouvée virée à l'hôtel pendant 2 jours. Donc, ils ont couché ensemble. C'est Dorian qui me l'a dit direct quand il est arrivé. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Oui, apparemment, la fille, elle baissait sa culotte comme ça. Et les gars pouvaient aller la tripoter. Normal, allez, salut. Tiens, droit, salut. C'est dégueulasse ce que je fais. C'est elle, en fait. Non, mais c'est horrible. Ben, t'es en train de dire qu'en fait c'est une fille plus que facile. Mais c'est la plus grande des chiennes de ce programme. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu une fille comme ça. Mais c'est pas pour. J'aime pas balancer sur les gens, j'aime pas mentir. Je dis que des choses qui sont vraies. C'est Laurie, normalement. En plus, Laurie, elle assume être une chienne. Laurie, elle m'a dit que dans Bachelor, elle s'était tapée 15 meufs là-bas. Bon, je pense que 15 c'est. meufs! Ah, mais pour moi, elle m'a dit 15 meufs là-bas, elle se les a tous Donc elle est tapées, vraiment. elle les jetait, c'était le bonhomme de l'aventure. Limite, c'était elle le deuxième Marco, quoi.